Alexis Garando, on n'a pas revu Indiana d'Espace depuis plusieurs mois, c'était volontaire ? Oui, tout à fait, on avait fait un break en fin de saison, elle en avait un petit peu marre, c'est une jument qui avait bien travaillé, et on l'a reprise en vue des belles courses cet été, là, les Grands Prix en province sur l'herbe, elle a 6 ans, elle va tomber contre les vieux, c'est une jument qui fait toujours son devoir, c'est pas une craque, mais elle nous fait des choses sympas, donc voilà, c'était prévu qu'on fasse l'impasse sur l'hiver et qu'on la reprenne pour le printemps, quoi. Donc là, les courses arrivaient, la jument, je l'ai déferrée parce que c'est une jument qui a besoin de confort quand elle est ferrée, donc elle est ferrée lourde. Là, j'ai préféré la déferrer, mais on y va sans ambition, hein. On va essayer de lui donner un bon parcours et essayer de bien finir, quoi. Mais avant le coup, c'est compliqué. Elle a un bel engagement à Caen le 7 mars, donc voilà, on va regarder comment elle se comporte. Mais jument est bien au travail, elle est fringante, donc elle va juste manquer de conditions. Mais même à 100% face à de tels rivaux, ça aurait été compliqué. Bah oui, voilà. Hein. Mais bon, c'est une jument qui nous étonne. Hein. Elle a marché quand même des chronos qui tenaient la route, hein, notamment à Caen. Mais bon, c'est sûr que voilà, la jument, elle a un petit poil en dessous quand même. Donc on va la courir sagement, on va la faire finir et en vue de bons engagements en province.